culture hindoue, plus particulièrement celle liée à la tradition du Sanatan Dharma, la fête Deepavali ou Diwali comporte 5 jours de prière et de célébration. Le troisième jour de ces célébrations est en grande partie consacré à accueillir la déesse Lakshmi dans la demeure familiale. Si les lampes allumées le soir font écho à la légende selon laquelle le dieu Ram fut accueilli à son retour à Ayodhya, les lampes symbolisent également le retour de la lumière, personnifiée par la déesse Lakshmi au milieu de la nuit la plus sombre, appelée Amavasya. Sur une note intéressante, les légendes acceptent l'épouse du dieu Rama, vénérée comme la déesse Sita, en tant qu'incarnation de la déesse Lakshmi sur Terre. Le dieu Rama, selon cette même croyance, est une incarnation ou avatar du dieu Vishnu sur Terre. Ce troisième jour des célébrations de Diwali est donc consacré au Lakshmi Puja. Et afin de dissiper les ténèbres, les diyas, lampes traditionnelles de terre cuite, sont allumées dans les maisons de foi hindoue, afin d'accueillir symboliquement cette divinité aux multiples attributs. Figure centrale du panthéon hindou, la déesse Lakshmi occupe une place de choix au sein de la vie familiale et du quotidien. Elle est l'une des manifestations divines que l'on invoque le plus dans la quête quotidienne du bonheur et de la prospérité. En effet, la déesse Lakshmi a pour attribut majeur d'être la déesse de la fortune, non pas exclusivement en termes de prospérité matérielle, mais en tant que facilitatrice du progrès, de l'abondance, de la richesse, de la connaissance et des talents. En somme, en invoquant la déesse Lakshmi, les dévots demandent humblement l'intervention divine pour une vie harmonieuse qui conjugue le confort matériel et la plénitude spirituelle. La déesse Lakshmi est représentée dans le panthéon hindou en tant que compagne du dieu Vishnu. Une représentation de la force divine qui maintient l'univers et qui, au besoin, intervient pour abolir le mal et l'injustice. Selon certaines traditions, avec les déesses Saraswati et Parvati, la déesse Lakshmi fait partie d'une sainte trinité féminine, le Tridevi, qui n'est autre que le pôle féminin de l'énergie divine initiale. Chaque année, en allumant diligemment leurs lampes, tout en invoquant le nom de la déesse Lakshmi lors des célébrations de Diwali, les dévots s'en remettent au divin avec la confiance que même au cœur des ténèbres, leur foi leur apportera toujours la lumière.